Selon la légende, à la fin du haut Moyen-Âge, nulle falaise ne surplombe le village d'Emesse. Voici l'étrange histoire de ces roches dont l'origine ne serait peut-être pas totalement géologique. Ces temps-là, la vie n'est pas simple pour les villageois, même au village d'Emesse. Le travail de la terre est bien rude. Il faut labourer, semer, récolter. Et ce, malgré le mistral glacé de l'hiver ou l'écrasante canicule de l'été. Mais il faut aussi nourrir les bêtes, faire du bois, construire, fortifier. Et oui, fortifier. Car les barbares et les pillards rôdent dans la région. D'ailleurs, une horde de ces brigands s'est installée dans un château abandonné non loin de là. Et ils ont attaqué le village il y a quelques jours. Ils n'ont pas pu entrer dans l'enceinte du château, mais ils ont quand même fait des dégâts dans les fermes alentours. Alors, le seigneur du village Rimbaud d'Emesse et son ami le seigneur Bevon de Noyers ont décidé de monter une expédition punitive contre la forteresse de ces Sarrasins. L'attaque aura lieu cette nuit même. C'est le signal, en avant! Monseigneur, 10 jours, cela fait 10 jours que Rimbaud d'Emesse s'est enfermé avec ses créatures dans son château. Il ne s'occupe plus de son peuple, il est ensorcelé. Demain, l'évêque de Digne sera là,
et il sera bien forcé de sortir. Et devant tous les moines des environs, et devant tous les habitants du village, il devra rejeter ses femmes et les mettre sur un radeau, livrés à la Durance. Tous les moinillons de la région, oh, je le sais, moi, à quoi ils penseront, tes gentils moines, quand ils verront ces sept merveilles. Non, ils ne penseront à rien de mal. Eh bien, parions. S'il reste de marbre devant tant de beauté, je partirai et laisserai ce village en paix. Et ainsi fut fait. Tous les moines et les religieux de la région étaient présents en ce jour pour conduire Rimbaud des Messes et les sept jeunes femmes de son château à la Durance sous une haie du déshonneur. Ni les hommes, ni les dieux, ni les diables n'avaient œuvré pour cela. C'est tout seul que ce coquin de Mistral décida de lancer une belle bourrasque, juste à ce moment-là, pour faire voler les capes des sept jeunes femmes et révéler ainsi leur incroyable beauté. Faut d'être resté de marbre. Les voilà de pierre.